te revirer de bord tranquillement. Oui. Là, on a quelqu'un à qui te présenter. OK. Quelqu'un que tu connais. OK. Que t'aimes bien. Oui. Puis je pense qu'il t'aime beaucoup. OK. J'enlève-tu mon masque, ça? Enlève ton masque. Salut, Marie. Ah, salut, ça va bien? Oui, ouais, t'as le petit tourné à date? Oui, mais là, ouais. J'essaie de trouver on était où, là. Je suis pas capable. Il essayait beaucoup. Ah, ça va? Ben oui, ça va. Fait que Papy Maurice, ça a l'air que c'est ton fan numéro un. Oui. Comment ça? Alors, ça fait des années. Ça fait des années? Oui. Depuis que je suis tout petit, là, qui me suit, là. Oui. Depuis. Vous, est-ce que vous avez vu qu'il était bon en partant? Oui. Vous savez qu'il était bon en partant? Oui. Depuis qu'il était novice. Okay. Novice, il se faisait huer. Parce qu'il était trop grand? Non, c'était trop bon. Trop bon, OK. C'est vrai. Se fais-tu humer encore aujourd'hui? Oui. Ben, ouais, là, là, il se fait haïr parce qu'il frappe trop. Ça arrive, hein? Tu te fais haïr. Ouais. Votre fils, Patrick, il trouvait pas ça. Il a joué au hockey aussi, Patrick? Oui, c'était. Bon, c'était son plus grand fan aussi, avec ma femme, par exemple. OK, parfait. Ma femme, c'était. Elle était aussi fan que. Hein? Oui. Mamie, elle était bonne. Oui, hein? Oui. Là, on vous pose la question à 100$. Oh, alors, c'est qui le meilleur entre les deux? Son père ou le fils? Moi. Oh! Non. Il est un peu meilleur que ça. Oh! Son père. On va couper son bon. Pour pas que tu fasses ça. Ben non, son père était très bon. Là. Il était souvent blessé dans les genoux. Tout. Mais je regardais, j'ai une carte, là, puis sa première saison avec Bison de Granby, il a 16 buts, 22 passes. Pour un rookie, tu sais. Il était bon, il était bon. Mais il est blessé, c'est ça. Il était grand. Moi, j'ai vu la photo de Patrick quand il a. À son année de Bison de Granby, il y avait un petit lien de ressemblance entre les deux. Oui, oui, oui. Je pense qu'il mesurait pas loin de 6 pieds à ce moment-là, puis il est resté là. Lui, il a toujours continué. C'était graduel. Là, vous êtes petit, vous également? Vous êtes 6 pieds que? C'est 2. C'est ça, parfait. La classe, je porte déjà un quart de pouce. On fait des pouces. Un pouce par an. T'en vas pour moi. Fait que là, Maverick, que vous l'avez vu sélectionné avec les voltigeurs dans la Ligue Jean-Major du Québec. Ouais. Ça, c'est une fierté. Là, très grande fierté. Puis là, au mois de juillet, le grand-papa va être dans les estrades au Centre Bell. C'est sûr que oui. C'est sûr, assurément. Non, on va être nerveux. On va être stressé. Par contre, comme je dis, Maverick, on le voit dans les premiers ronds, deuxième ronde, troisième ronde. Ça, si j'ai un, deux, trois, on va être très content. Je pense que ça a bien du sens. C'est ça. Là, est-ce qu'on va. Je sais que Maverick n'aimerait pas ça, Montréal. Le Canadien de Montréal. On va voir. C'est une pression pour un Québécois, ça, Montréal? Oui. Mais c'est pas grave. Il aime ça, la pression, lui. Oui, il aime ça, la pression. Je trouve ça drôle. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il sourit. Oui. Puis quand il était petit, il souriait toujours de même, Maverick. T'es un bon petit gars. Ah! Hop! Qu'est-ce que tu vas montrer, là? J'avais une photo, je l'avais montré. Novice, là, il a le gros sourire, il commence, il joue au hockey, là, puis c'est ça qu'il veut faire. Ouais. Ça a toujours été ça. Ouais. Ben, on a vu Alex Gagnon, ses coachs, il nous disait ça, il disait, il riait tout le temps, mais il avait une petite voix, ça a l'air Maverick quand il était plus jeune. Oui, une petite voix. Mais on regarde ça dans les parties, quand ça va bien, il rit. Des fois, il rit pas. Hein? Ah, moi, j'ai vu une fois, ça n'est pas sourire. T'es fâché. Ouais, j'ai vu une couple de fois. T'es fâché. Quand il a cassé la baie vitrée, il était content, je pense. Ouais, ça était content. Il avait l'air de bonne humeur. Très content. C'était bon pour sa poutine. Il a vendu beaucoup de poutine à cause de ça. Non, vas-y, j'ai doublé le record, je pense. Tony était content. J'avais mon beau-frère, c'était. Il reste à Saint-Hyacinthe, puis il vient pas souvent, puis il était là, ça va avec moi. Et il a capoté quand c'est arrivé. Fait que nous, on voulait venir dire un petit clin d'œil, papy, en passant. On a une grosse journée aujourd'hui. Ouais. Là, on va continuer avec Maverick. C'est toujours pas où qu'on s'en va. Ça l'énerve, ça? C'est bon. Ils m'ont mis le masque. Là. Je voulais savoir où on allait où. Moi, je peux pas rien dire. Je sais pas. C'est ça. Oui, c'est tout. Il y a le goût de le dire, en tout cas. Non, je dirais rien. Même sa torture. Ben non. Moi, je conduis. Je peux pas rien dire dans ce temps-là. Je conduis. C'est ça. Puis je vais être continué d'être son plus grand fan. Oui. Donc, une visite que tu t'en avais pas du tout, papy Maurice? Non, aucune idée. Bon. On a réussi à te surprendre pour une troisième fois aujourd'hui. Exact. Une bonne petite surprise, là. Là, Maverick, on continue ton parcours de hockey, donc ce qui veut dire qu'on doit s'en aller en Ontario. Exact. On s'en va à Hawkesbury. Bien sûr. J'avais des idées qu'on y allait, hein? Là, on a faim. On a faim. Fait que là, on s'en va-tu manger au Pizza à Hawkesbury? On va manger au Pizza à Hawkesbury? Ouais. Ça a l'air que c'est un de tes amis, ça. Exact. C'est un de mes meilleurs amis, là, à Nushan. Avec Maverick, on est enfin au mythique Pizza ici. Exact. Que toi, tu as mis dans ta liste de restaurants préférés, meilleurs souvenirs de Hawkesbury. Ouais. Là, tu nous comptais les. Toi, tu passais par en arrière, tu disais? Exact, la rivière est à côté. Fait que. C'est un de tes bons amis qui est propriétaire ici. Exact, un de mes meilleurs amis. Un de Nushan, c'est ça? Oui, exact.
Le cours nous a-tu passé par en arrière? Fait que c'est ça, fait qu'on allait passer notre journée en bateau, mettons, hein, que ça soit en sidou ou en ponton, puis on revenait, puis là, quand on avait faim, on rentrait par en arrière, puis on allait se faire une petite pizza, puis on mangeait, puis on repartait, puis on allait en bateau encore, fait que... Fait que là, aujourd'hui, on va aller goûter à cette fameuse pizza-là, n'est-ce pas, Bobino? C'est bon? Et on va me donner des retours, mais là, on va avoir des surprises qui vont arriver durant le repas en dedans. OK. Il y a des gens qui vont nous rencontrer. Hâte de voir ça. On regarde la surprise. Ouais, c'est ça.